direction de ce bureau, comme nous l'avions dit, pour quelques instants, avant qu'il ne puisse faire son entrée ici, dans la salle des congrès pour cette cérémonie. Merci, Justin, pour ce moment. Certes, nous allons assister dans quelques instants, très chers téléspectateurs, à la cérémonie de prestation de desserrement des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, trois au total. Mais les interrogations demeurent sur la nature du discernement. Sera-t-il individuel ou collectif? Une chose est sûre et certaine, dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ce serment par les pronoms personnels « je », mais au cas où il y a peut-être un problème protocolaire qui va se poser dans la gestion du temps, les « nous », alors les « nous » ne seraient pas exclus, c'est-à-dire voir tous les assermentés prêter serment au même moment, et nous allons certainement le vérifier tout à l'heure. Je suis Kabasele. Voilà, la salle est électrisée au-delà de députés et sénateurs. Je viens de faire le premier tour de la salle. Il faut dire que Dave Bokofia, député, sénateur. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que la nation parle un seul langage. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Ils sont tous là, députés de l'opposition surtout. Ils sont nombreux ici. Donc aujourd'hui, tous ils disent qu'ils viennent justement pour honorer ces trois juges qui vont aller à la Cour constitutionnelle. Les juges mieux, les membres de la Cour constitutionnelle qui venaient déposer pour la prospérité avec le chef de l'État, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui venait de poster dehors. Ils ont fait leur entrée dans cette salle, juste le temps de s'installer. Et dans quelques instants, le président de la République va devoir faire son entrée dans cette salle. Mais l'ambiance est bon enfant. Mami Mambouine. Matando mingi Blaise Bokofia au Pessi Mbwambo Aboy, awa au salle ya congrès ya Palais du Peuple. Mokambi Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, assis bongo komia tamakolomaye, au Kati, ya Palais du Peuple, nenge bozali kolanda na bilili, au bokomi voyer ya solo, à Tambolina tapis motane, pe à Zumbi, nembo ya makumisi, na mampinga ma FRDC, ba iba pese ki na ye penza makumisi lorenge na lorenge. Lorenge zel kolanda te ya solo, na mwa tango moketo kolanda milulu miye na bozindo penza lorenge ba zuzi ba ye, ba kola pandaye pe seleka ya bango, au boso wa tata mokonzo ekolo lorenge ya zali mokambi, ya mampinga ma FRDC. Le corps à Bapoulou, la République démocratique et à Congo, Yembe, Tatamo Kondi à Ecolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Bongo Bazouzi Baïbakola, Paseleka, Oboso Boye. Il y a solo Balandine, vous avez dit qu'on a Kati Abilili, Basili Bongo Kokota, Sasa et puis Okati à Palais du Peuple, Mampinga Tope, Bakambi à Cour constitutionnelle, Bango Mies, Basili Koya, Awa. Au salle, il y a congrès, il y a parlé du peuple, il y a des gens qui ont été en train de se faire, à côté, il y a des gens qui ont été obligés de se faire, il y a parlé du peuple, pour que vous puissiez vous faire un salle, il y a congrès, il y a des pays. Milulu niko banda ndeko tuti ko ebisa na bito ete bazuzi bazali basato baye bakola pandaye oboso ya tatamo kuzi ekolo oboso ya bana somi ya République démocratique ya Congo lolenge bango bakosala bango mosala mwa bango ya bazuzi o mabele ma République démocratique ya Congo lolenge yeme mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete République démocratique ya Congo ezala ekolo ekosambola penza kolandela état de droit tope kolanda mibeko moto nyonso asengeli kozala ose ya mibeko ndenge bozali kolanda ya bilili ya solo esengo ezali awa gode kabundi na pesi yo maloba mpo ya botalisi bande monemo mvunda mokwata kudiba bwalubwase muntu ni muntu udiujingani adi mwenena ntombolu kaladifa dimbela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwanza nkongolo lukanda mvula wa mujimbi ukaji kubibieku bwalubwase ukaji mumana kuikala mufika mulupango lunena lwa Palais du Peuple na nkufano numva masanka wonso ali mikala menza bwalubwase sami badibanga ntisala wabanya makalenga ukali mwikala mufika mwabeu bwalubwa muntu na nshumwa kene mwakunu shimani bariba chifa cheleka kumpala kwa muntu mukwapo bariba chifa cheleka kumpala kwa mfumo wa jitunga ni kumpala kwa ba député national et provincial. Bonsoir baba dibikala bachifuita muno mfanko kimbamba ni bikala wa mukulumpa anyu wa mwakunyinashi mbamba ni kumpala kwa basungula baditunga ya Congo démocratique mfumo wa jitunga nalo kuitaba kibwaluka inu liba munase mbamba se udi muita baba wakula mupale di peplalo alo udi mubenga somba kajiba sungula baditunga ya Congo démocratique badibikala bafika mangano jadi kilibwase chindondi cha mfumo mulomboji wa bachi huisa bakulumpa bampesa ni mabala
Sami Badibanga Ntita Lobanya Makalenga, Ukadi Mika Lamana Kufika, Munzubumunena, ni ye Yakubumika la Fambelu, Panzubumunena wa Paleti Peple, Ubumika la Mona Mushindu, ni Bakwa Bobena Kuru de Kuru Constitutionnel, Badibamuna Mushindu, Wakwati Jilan Fumu, Waditunga, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mwakuni Jarikila Boise, Mujimwe Udumika la Wenzeka, Musombela Kawi Mwanji Kwenzeka to, Wachin Bol Boise, Bijimu ni Bijimu Bionsu, Bafu Bika la Mubukalenga, Bafu Bayana Abu. Le président de la République. Pindia Wuku, Waditunga, Joseph Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Wamu Mushindu Wakubwela, Kalibeka Falasonya Batinyenga, Michiko Kodo, Anja Matai. La chaîne des grands événements, très chers téléspectateurs, voilà en gros plan le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, le magistrat suprême, qui va devoir faire son entrée dans cette grande salle de congrès du Palais du Peuple. Et d'un moment à l'autre, ça sera le début de la cérémonie. Voilà le président de la République qui fait son entrée dans cette grande salle de congrès, très chers téléspectateurs. Et d'un moment à l'autre, Giscard Kouchema, le signe, le V de la victoire, ça me rappelle les beaux moments de la campagne, le V en signe de victoire. Le président de la République va devoir présider cette cérémonie de prestation des serments. Il va recevoir les serments des trois juges de la Cour constitutionnelle. C'est une compétence que lui donne la Constitution de la République. Et cette cérémonie est organisée justement conformément à tous les principes pertinents de notre Constitution et particulièrement de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour. Musique. Gardez-vous. Allez-y. Gardez-vous. Centre. Présenté. Arme. Musique. Hymne national. Thank you.
Excellence. La cérémonie a déjà commencé. Nous vous prions de pouvoir suivre le reste de la cérémonie. Merci, merci beaucoup. Nous vous acclamons très fort. Merci. Merci. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La cérémonie de ce jour est celle de la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle récemment promus devant Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres du corps diplomatique, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, mesdames et messieurs. Vu le caractère très particulier, celle-ci sera entièrement conduite dans toutes ses étapes par la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif, Madame professeure Ntumba Boacha Nicole, que nous invitons à cet effet à prendre la parole. Madame la conseillère.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, la cérémonie de ce jour est particulière en ce qu'elle continue de s'inscrire dans la logique de la réforme de la justice telle qu'entreprise par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême depuis son accession au pouvoir. En effet, l'on se rappellera qu'il y a quelques mois, trois autres cérémonies aussi importantes les unes que les autres ont précédé celle d'aujourd'hui. Il s'agit d'abord, celle du 20 février 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près le Conseil d'État, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général près la Haute Cour militaire et le président de la Cour de cassation avaient prêté serment. Ensuite, celle du 2 juin 2020, au cours de laquelle le procureur général près la Cour constitutionnelle avait prêté serment. Et enfin, celle du 4 août 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État, le conseiller à la Haute Cour militaire et les avocats généraux des forces armées avaient également prêté serment. Se conformant à l'article 158, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose « La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le Président de la République, dont 3 sous sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en Congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et magistrat suprême, a signé l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et ce de manière explicite, l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose, avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation, devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représentés par son bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République selon les mots suivants. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le Président de la République leur en donne acte. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les cours et tribunaux comme formant le pouvoir judiciaire, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable
dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui le composent. En outre, les cours et tribunaux auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149 alinéa 1er de la Constitution sont catégorisés en deux ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il sied de signaler que globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et de l'article 216 de la Constitution, notamment en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il me soit autorisé, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place aux heureux nommés de se présenter devant votre auguste personne en vue de leur prestation de serment. La lecture de l'ordonnance. Gardez-vous au centre, portez armes, musique, ouvre là-bas. Allemand, tuez, topo. Ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 69, 79, 152, 158 et 169, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 28, revu l'ordonnance numéro 14/021 du 7 juillet 2014 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1, 5 et 7, vu l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 6, revu l'ordonnance numéro 18/38 du 14 mai 2018 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 1.2, vu l'ordonnance numéro 19/56 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement
ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu le procès-verbal constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Conseil supérieur de la magistrature, vu le procès-verbal de prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle de la démission d'un membre de la dite Cour désigné sous l'initiative du président de la République daté du 10 juillet 2020, vu le besoin de nommer un autre membre de la Cour constitutionnelle et désigné sur l'initiative propre du président de la République en remplacement du membre démissionnaire, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle M. Kalou Badiboua Dieudonné, Madame Kaloumé Asengoché-Ouzi Alphonsine, Monsieur Kamoulete Badibanga Dieudonné. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, spécialement celles de l'article 1er.5 et 7 de l'ordonnance numéro 14021 du 7 juillet 2014 et de l'article 1er.2 de l'ordonnance numéro 18/038 du 14 mai 2018 portant toutes deux nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2020. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2020. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le Premier ministre. Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kankondé Malamba, pour certifier conforme à l'original le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Kachmir Kolongele Eberandé, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. Plaise à votre Excellence que nous appelions maintenant les nommés afin qu'ils soient présentés à la nation avant de les inviter à prêter le serment légal. Nous appelons Monsieur Kalou Badiboua Dieudonné. Dieudonné est né à Mbujimaï le 4 février 1966. Il est originaire de la province de Lomami. Il est marié et père de 3 enfants. Il obtient le diplôme d'État en section littéraire en 1986 à Mbujimaï. Il obtient le diplôme de licence en droit, option droit public, en 1993. Il obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998. Il obtient le diplôme d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa en 2005. Il obtient le diplôme de doctorat en droit à l'Université de Kinshasa en 2010. Il obtient le certificat des cours postdoctorales de justice constitutionnelle de l'Université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence en 2014. Il est professeur de droit à l'Université de Kinshasa. Il est professeur invité à la faculté de droit Paris 5 Descartes en 2014. Il est avocat à la Cour suprême de justice. Il est chercheur en droit
constitutionnel et administratif. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment « La justice constitutionnelle en RDC », deuxième ouvrage « Du contentieux constitutionnel en RDC ». À ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions M. Kalou Badi Bois-Dieudonné de bien vouloir prêter son serment légal. Moi, Dieudonné Kalou Badi Bois, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre présence. De son serment, ça sera juste après. Il va devoir regagner sa place et la conseillère principale du chef de l'État en charge de matières juridiques et administratives va certainement appeler l'autre juge qui a été nommé par ordonnance présidentielle pour prêter serment devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, le magistrat suprême, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo jusqu'à Kusim. Nous appelons Madame Kaloumé Asengo Cheouzi Alphonsine. Cheouzi Alphonsine est née à Kalemi le 9 mai 1955. Elle est originaire de la province du Maniema. Elle est mariée, mère de 5 enfants. Elle obtient le diplôme d'État en 1974. Elle obtient le diplôme de licence en droit économique en 1983 à l'université de Kinshasa. Elle est promue chef de division unique du département des droits et libertés du citoyen en 1987, elle est nommée magistrat à titre provisoire par arrêté d'organisation judiciaire du 24 janvier 1989, nommée substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamu en 1989, nommée premier substitut
du procureur de la République et affecté au parquet de Kalamu en 1989, nommée conseillère à la Cour suprême de justice en 2013, nommée conseillère au Conseil d'État en 2018, et à ce jour, elle est nommée membre de la Cour constitutionnelle. Madame Kaloumé, nous vous prions de bien vouloir prêter le serment légal. Alphonsine Kaloumé Asengo Tchéouzi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de parole. Femme qui se retrouve au niveau de cette haute cour, c'est un honneur mérité à la femme congolaise et coup de chapeau au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo. Et voilà, Blaise Bokokia, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshilombo à la magistrature suprême, les femmes sont honorées. Nous avons des femmes vice-premier ministre ici en République démocratique du Congo. Oui, et madame qui est vice-premier ministre et ministre chargée du plan. Oui. On a même une femme, Élisée Minembwe. Oui. Voilà. On a même une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que les femmes sont honorées aujourd'hui parmi le 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Madame Alphonsine est la seule femme, donc aujourd'hui, une femme est à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mamie Mamboni, ça permet de faire. Vous êtes une femme parmi les hommes ici pour ce reportage en direct à partir du Palais du Peuple. Matondo mingi Blaise Bokokia, ya solo estengo ezali mingi fo ba mama poto boni ya tolo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesi penza lokumu na biso ba mama basi. Monsieur Kamulete Badibanga Dieudonné à venir se présenter devant la nation. Tshisekedi ya Congo, tozali kokoba. Giscard Koussema, c'est le dernier. Ils sont à trois au total. Les deux autres viennent de prêter serment. Et c'est le dernier qui se dirige devant le président de la République pour la prestation de son serment. Il s'agit bien de Dieudonné Kamuleta Badibanga, comme ses deux autres collègues. Lui aussi est présenté devant la nation. Voilà, par des ovations justement que monsieur Kamuleta. Monsieur Kamuleta Badibanga, Dieudonné. Est né à Mbujimayi le 10 octobre 1964. Il est originaire de la province du Kasaï oriental. Il est fils de militaire. Il est marié et père de 7 enfants. Il obtient le diplôme d'État en 1983. Il obtient le diplôme de licence en droit à l'université de Lubumbashi en 1989. Il est nommé substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kamina. En 1990, il est nommé juge de grande instance de Kamina en 1993. Il est nommé juge en grande instance de Kolwezi en 1996. Il est nommé président du tribunal de grande instance en 1999. Il est nommé conseiller à la Cour d'appel en 2006. Il est nommé président à la Cour d'appel en 2013. Il est nommé conseiller à la Cour de cassation en 2018. Et à ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle.
Nous prions Monsieur Kalumelete Badi Banga Dieudonné à bien vouloir prêter le serment légal. Moi, Dieudonné Kamuleta Badi Banga, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. Cette prestation de serment va être immortalisée à travers ces procès verbales. Madame la conseillère va procéder dans les minutes qui suivent à la lecture justement de ces procès verbales de prestation de serment. Ainsi se terminera finalement cette cérémonie historique de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Alors la beauté du droit, Blaise, la beauté du droit c'est quoi? À partir de cet instant, les trois juges qui vont s'ajouter aux six autres pour former le neuf membres de la Cour constitutionnelle ont la compétence de juger de toute initiative d'interprétation en interconstitutionnalité. Or, il semble que depuis hier, il y a un groupe de personnes qui saisissent la même cour pour qu'elle se présente sur une question de constitutionnalité. Donc, les trois ici, plus les six autres, vont siéger pour se prononcer sur cette matière. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 162 de notre constitution qui dit la Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour suprême. Avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. À ce stade de la cérémonie, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture du procès-verbal de prestation de serment. Procès-verbal de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2020, le 21e jour du mois d'octobre, en présence du professeur docteur Désiré Cachemire Kolongolé et Bérindé, directeur de cabinet AI du président de la République, chef de l'État, des personnes ci-après. 1. Membre de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asengo Tchéoussi Alfonsi, M. Kamulete Badi Banga Dieudonné, nommé par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/116 du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, ont prêté serment dont la teneur suit.
Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême leur en a donné acte. En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par les membres de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Diboua Dieudonné, Mme Kaloumé Asengo Tcheousi Alphonsine, M. Kamulete Badibanga Dieudonné et le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberandé, directeur de cabinet AI. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie qui a concerné la présentation à la nation de trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, cérémonie au cours de laquelle ils ont prêté serment devant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en présence de l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de remettre la parole au protocole d'État tout en vous remerciant. La cérémonie est terminée.
Nous demandons à l'assistance de pouvoir saluer le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Affiche désormais complète. Les 9 membres sont là. La cour peut désormais siéger sans problème. La cérémonie de prestation de serment a été présidée tout à l'heure devant les chefs d'État, les magistrats suprêmes. Félix Antoine Tshisekedi, vous dit en parole pour les téléspectateurs et puis nous les annonçons. Kamuleta Badibanga, Wamunpenda, Wakumana Mushindu, Wakuchipa Chela, Kumpala from Wadi Tunga Felix Antoine, Chisegari Chilombo, Mwanzan Kumpala Lukandam for Wamujimbi, Wamun Mushindu, Wakumesha, Walwaye and Chopa Shandundu, Wafuka Mujimi, Kwashala Mujimina, Mutuba Mbase Bayawaya, Biwa Shala, Wakadilambo, Kuale Tuchisal. Mami Mambo. Batonga mingi blaise bokoki ya mojulu ya mwantango moke kasi etondi litomba linene. Mojulu na biso mikomi na suka bazuzi basato ya kuu konstitusionel baruti bako kola pandaye obote ya tatabo kozi ya ekolo. Bakosawa mosala na bango na kotosa mingi peza mobeko ni kozi ya ekolo pe na kobomba sekelepo na maimatali bongo maponomi. Diyo kazubwa ye alapinda ya ye obote ya tatabo kozi ya ekolo. Mama Alphonsine ye perokola alapinda ya ye libosa ya tatabo kozi ya ekolo ya kosala mosala mwa ye. E bongo kalumete badibanga Diyo Donne ye perokola alapinda ya ye bango banso balapinda ye ya solo akosale la ekolo ya biso na lise ya mibeko po ete etat de droit ezala mpona moto nyonso pamba te mobeko ezali mpona moto nyonso eponi moto te eponi mozipe mpe mobola te kasi biso banso ezali na lise ya mobeko po ete mboka etongama po ete mboka ekende liboso esengeli ete moko na moko ayeba kotosa mibeko ya mboka bleboko. Prestation de serment de nouveau juge de la cour constitutionnelle acte par le magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cour constitutionnelle, très chers téléspectateurs, affiche désormais complète et peut valablement siéger pour traiter des matières qui relèvent de ses compétences constitutionnelles pour la gouverne des uns et des autres. La cour constitutionnelle est le juge électoral des élections présidentielles et législatives nationales en République démocratique du Congo. Le regard semble tourner vers la commission électorale nationale indépendante pour la désignation de ses animateurs ainsi que la révisitation des textes qui régissent la centrale électorale dans notre pays. Et le souhait le plus ardent est de voir les patriotes, compatriotes congolais et même les politiques mettre de côté ce qui les divise et regarder, privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez certainement, vous étiez des milliers et de par le monde à suivre cette importante cérémonie de présence.